Aux écuries en Graugnou, à 15 minutes de Toulouse, direction Albi. Ce dimanche a eu lieu une journée de concours complet d'équitation pour les cavaliers de clubs de la région Midi-Pyrénées. Un concours fédéral et qualificatif pour les championnats de France Club à la Motte Brevon dans le Loir-et-Cher en juillet prochain. Par rapport à d'autres disciplines équestres qui existent, le concours complet, comme son nom l'indique, implique que le couple cavalier et cheval soit capable d'effectuer trois tests complètement différents. Le test de dressage, le test de saut d'obstacle, c'est l'épreuve que tout le monde connaît avec des obstacles mobiles dont les barres peuvent tomber. Et le test de cross qui demande des aptitudes physiques un peu plus importantes. C'est un travail en terrain varié avec des montées, des descentes et éventuellement des passages d'eau sur des obstacles fixes. Aux écuries en Graugnou, c'est aussi 300 hectares de prairies, plus de 80 chevaux qui passent leur majeure partie de la journée au pré. Ici, les pensionnaires, les poneys du Poney Club et les retraités veillent souvent l'un sur l'autre. Et les enfants du club ou ceux venus en spectateur ont l'air eux aussi ravis d'être ici. Et certains même visent déjà la coupe. C'est qu'on gagne des trucs, des flots et des coupes, des points. C'était très bien. J'aimais pas trop l'équitation et tout, et finalement j'aime bien. Le week-end prochain, on programme stage de polo pour cavaliers et arbitres avant le championnat régional de polo club le mardi 8 mai.